Hey, what's up tout le monde? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'en viens me promener dans la forêt à la recherche de chouettes et de hiboux. On a un petit matin relativement humide, mais assez confortable niveau température. Donc ce matin, il fait autour de moins 4, moins 5 degrés, donc je pense que ça va être assez confortable. Et donc je pars à la recherche des chouettes et hiboux. Je m'en viens rejoindre mon ami Philippe Debrul et un de ses amis. Et ben c'est parti, le soleil se lève dans encore 45 minutes et c'est justement le meilleur temps pour avoir les chouettes encore actives. Généralement, ils vont être donc plus nocturnes et vont dormir durant la journée. Donc si on veut les avoir un peu en action, ben on peut tout simplement arriver très tôt comme aujourd'hui. Donc je pense que ça va être assez bien. Donc sans plus tarder, on s'en va se promener, on s'en va chercher les chouettes et les hiboux. Donc là, Pierre et Philippe sont partis de leur côté. On va se séparer le terrain, comme ça, ça va maximiser un peu nos chances de trouver des oiseaux. La raison pour laquelle je voulais surtout venir aujourd'hui, c'est qu'il annonçait de la neige. Et là, ben, finalement, c'est que nuageux. Il y a même une petite brune verglaçante qui tombe, donc c'est un peu moins bon à ce niveau-là. Il annonçait au début 5 cm, ensuite 3, ensuite 1. Puis là, ensuite, plus rien. Fait que, mais c'est pas bien grave. Puis, donc c'est ça. Donc, moi, je vais aller faire mon tour un peu plus loin par là-bas. Philippe et Pierre sont de l'autre côté. Et j'ai bien hâte de voir. Ça commence à être assez lumineux. Donc, c'est un petit peu mieux. Mais tantôt, c'était très sombre. C'était vraiment difficile. Surtout que c'est des oiseaux qui se fondent vraiment dans leur environnement, dans la forêt. C'est très difficile de pouvoir les détecter. Donc, c'est pour ça que là, ça va être un peu mieux, justement, parce qu'on a une meilleure visibilité, une meilleure luminosité. Donc, il n'y a pas de vent du tout. Donc, ça, c'est super confortable. C'est un peu moins bon parce que les chouettes vont avoir tendance, des fois, à se tenir un peu plus haut. Parce que quand il y a beaucoup de vent, les arbres bougent beaucoup. Donc, souvent, ils vont descendre un peu plus bas. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on a quand même des bonnes chances de trouver quelque chose ce matin. Et en se séparant comme ça, ben, ça maximise un peu nos chances. De repérer un beau grand-duc d'Amérique. Il est très très haut perché, il est peut-être à au moins 30 pieds de hauteur. Donc, je faisais une photo relativement intéressante avec la silhouette et tout ça, mais bon, disons que c'est pas la photo du siècle non plus. Ceci dit, s'il y a un grand-duc dans le coin, ça me fait quand même l'impression que je trouverai peut-être pas d'autres chouettes ou d'autres hiboux dans ce secteur-ci, parce que généralement, le grand-duc est... disons, une espèce redoutée des autres rapaces. Mais je vais quand même finir mon petit tour pour jeter un petit coup d'œil ici, mais j'ai l'impression que peut-être Philippe et Pierre vont être un peu plus chanceux de leur côté. Parce qu'ici, là, il est vraiment très très haut. Il n'y a pas grand-chose à faire. Quoique, il y avait un écureuil qui s'est promené pas trop loin. Il avait l'air assez réveillé, mais ça me fait quand même l'impression que ça sera pas super bon. Donc, je continue à faire le secteur ici. Peut-être que je trouverai rien, mais j'aime mieux prendre la chance de regarder que de prendre la chance de rien voir.
Et ben, si ça fait pas, si je trouve rien, mais j'irai retourner dans rejoindre Philippe et Pierre un petit peu plus tard. Donc il y a vraiment beaucoup de traces de renards, c'est hallucinant, il y en a vraiment partout, partout. Autant des vieilles que des fraîches, donc ici même derrière moi, il y a une rivière et ça traverse d'un bord et de l'autre. Vraiment, ce serait super top de faire un beau renard avec le pelage d'hiver, ils sont tellement beaux. Donc ça, j'aimerais bien. Sinon, pas d'autres chouettes ou de hibou. Très tranquille à ce niveau-là. Mais continuez à chercher, j'ai encore quand même quelques heures devant moi. Et quoique, je suis toujours content d'avoir vu quand même le Grand-Duc, c'est toujours une belle rencontre. Même s'il n'était pas super bien placé. Mais voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis parti avec le 400 mm f2.8 ainsi que le Z7-2. Bon, parce que c'est généralement des oiseaux qui bougent pas beaucoup, on peut baisser la vitesse quand même pas mal, et on n'est jamais super près non plus, donc 200 mm c'est trop court, 400 c'est juste parfait, j'ai le 1.4 au cas où aussi, si jamais j'avais besoin d'un peu plus de portée, mais généralement le 400 mm 2.8 fait très bien le travail, surtout si mettons je trouvais une chouette laponne ou... un oiseau comme ça, c'est des oiseaux qui sont super grands. Sinon, c'est sûr qu'une petite nictale, ben là, à ce moment-là, il va peut-être falloir que je mette le 1.4. Et dans mon sac, j'ai également j'ai mon trépied. Et j'ai également le 100-400 monté sur mon Z6-2 au cas où que j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus flexible. Mais je pense que je vais pas mal tout faire avec le 400 mm aujourd'hui. Je pense que ce qui est le plus important lorsqu'on cherche des chouettes et des hiboux comme ça, c'est de vraiment prendre son temps. Marcher lentement, prendre le temps de bien tout regarder, puis de chercher des formes qui diffèrent un peu de leur environnement, parce qu'ils vont avoir la même texture, que la même couleur que les branches et que les arbres, les troncs et tout ça sont extrêmement difficiles à trouver par leur couleur. Mais pour leur forme, pour les petites aigrettes comme le Grand-Duc tout à l'heure, c'était vraiment la forme dans les branches. Et des fois, ils sont collés sur des troncs, c'est beaucoup plus difficile. Là. Il était assez évident. Mais c'est vraiment de faire attention aux formes particulières et de vraiment prendre son temps, en fait. De se promener, profiter du bon air, profiter du dehors, mais en jetant un coup d'œil attentif. Puis il n'y a pas de presse. On profite du moment. Et si on voit des animaux, tant mieux. Mais il faut vraiment y aller patiemment et de ne pas se décourager puis de regarder vraiment partout. Puis c'est pas parce qu'on a passé à un endroit une première fois que c'est parce qu'il n'y a rien puis on n'a rien vu. On peut repasser à un autre endroit. Si on passe souvent sur le retour, de voir l'autre côté des arbres, ça peut être super bien aussi. Et sinon, ben, la chouette, le hibou peut être arrivé aussi par la suite, donc ça c'est possible. Donc il faut vraiment regarder partout, être minutieux et pas se décourager. Donc ça fait maintenant un bon 3h30 qu'on cherche et toujours rien. Philippe et Pierre tantôt ont vu une petite nictale, mais super haut perché et vraiment plus loin, donc je peux aller faire un tour. On a vu des trucs super intéressants ici. Il y a une rivière que ça fait pas longtemps qu'elle est gelée et il y avait des sorties de castors donc à plusieurs endroits. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser et que je pourrais peut-être revenir un peu plus tard faire un affût là-dessus. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Donc c'est pour ça que tu sais, quand je fais des sorties comme ça puis que je fais pas nécessairement beaucoup de photos, ça sert généralement pour autre chose plus tard. Donc ça pourrait être assez... assez intéressant, mais bon, malheureusement, c'est pas un matin à chouette et hibou. Mais quand même, je suis super content d'avoir rencontré le Grand-Duc. C'était bien. Et justement, pour les sorties de castor, c'est super intéressant. Je pense que je vais revenir vraiment uniquement pour ça. Puis bon, si je vois d'autres choses, ça sera tant mieux, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant. Alright, donc Philippe vient de contacter parce qu'il y avait
trouvé une belle chouette lapone. Donc, je suis en direction. Pas mal excité par la chose. Et il y aurait également une étale de Tegmam qui aurait été vue aujourd'hui. Donc ça va être un peu de recherche supplémentaire. C'est cool parce que ça fait quand même plusieurs heures qu'on cherche et qu'on arpente la forêt ici. Et bref, je suis pas mal enchanté de la chose. J'ai bien hâte d'aller voir. La luminosité est pas mal plus intéressante qu'en début de journée. Et même à certains moments, on voit même le soleil, puis ça a l'air à vouloir se déchirer dans le ciel au travers des nuages, donc ça c'est super top. Ça va permettre d'avoir une meilleure qualité d'image et une plus belle lumière sur l'animal. Donc c'était pas super pour la chouette lapone. Elle était très haute. Le ciel blanc derrière et tout, c'est pas terrible, mais j'ai l'impression que en fin de journée, c'est tout ouvert autour. Donc je pense que ça va être assez intéressant en fin de journée. Je pense qu'il y a un petit aspect sur lequel je me permets de faire une petite remarque. Je suis pas là pour faire la morale à personne, mais je pense qu'en tant que photographe animalier, c'est important de photographier dans le respect de l'animal. Et ce respect-là, ça passe par une certaine quiétude. Et malheureusement, avec les médias sociaux, on est souvent tenté de d'abord partager instantanément nos découvertes. Et il y en a qui partagent l'endroit exact. C'est à se demander s'il n'y a même pas le point GPS. Ça crée des attroupements sur certains sites. Et ça crée éventuellement beaucoup de dérangements pour la faune. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour faire la morale à personne, mais si... moi, je suis d'avis que c'est toujours mieux de se garder une petite gêne. Avec un cercle d'amis et tout ça, on peut se partager des informations, mais le moins c'est su à l'échelle globale et publique, le mieux c'est. On a vu beaucoup de débordements, notamment depuis le début de la COVID. Donc bref, restez discret par rapport à vos spots. C'est pas une question d'égoïsme, mais c'est une question de respect de la vie animale, respect de l'animal. Et je sais que c'est toujours plaisant de pouvoir partager son bonheur avec d'autres, mais parfois c'est mieux de rester discret là-dessus. Je pense notamment avec les tanières de renards et tout ça. C'est toujours mieux de pas dévoiler les emplacements, parce que ça peut quand même avoir des bonnes répercussions négatives sur la faune sauvage. Donc tout s'est passé vraiment vite, en fait, dans les deux dernières heures. Donc on a un bonbon de géant entre la dernière fois que je vous ai parlé. Mais bref, je suis allé rejoindre Philippe et Pierre. Et d'ailleurs, je vais mettre les liens dans la description si vous voulez aller voir leur travail, leur site web. Allez leur donner un peu d'amour sur les réseaux sociaux. Mais bref, je suis allé les rejoindre et on a finalement trouvé une nyctale de Tegmalm. Donc, on a commencé à faire quelques photos, puis elle dormait. Donc, on était à bonne distance et fait quelques photos. Et vraiment, tout d'un coup, soudainement, elle s'est mise à être super active. Et donc, elle regardait au pied de où est-ce qu'elle elle se situait. Et ça a été super vite. On voyait vraiment qu'elle se préparait à s'envoler. Et ensuite, elle a décollé, elle est allée se poser sur une petite branche qui était oblique à côté. Et ensuite, elle a plongé, elle a rien ramassé. Et elle est remontée sur une petite perche. Elle devait être, quand on l'a trouvée, elle était peut-être à 8 pieds de haut environ. Et sur la petite perche, à la fin, elle était peut-être à 3 pieds du sol. C'était hallucinant, vraiment.
C'était ma plus belle rencontre définitivement avec la nyctale de Tegmalm et vraiment une de mes plus belles rencontres avec une chouette de manière très générale. C'était complètement hallucinant, des magnifiques attitudes. Elle n'était pas du tout accaparée par notre présence, elle était complètement relaxe. C'était vraiment, mais vraiment, vraiment magnifique. C'est un moment, je suis sans mots, c'était complètement hallucinant. Mais bref, c'est arrivé super rapidement et j'ai pu faire quelques séquences vidéo, mais à main levée. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air au final. Je peux essayer de stabiliser avec mon logiciel, mais c'est pas comme être sur un trépied. Mais les photos sont complètement hallucinantes. Donc ça a été vraiment un magnifique moment. Puis ensuite, on est revenu sur le site de la Chouette Laponne, puis elle n'avait pas bougé. C'est un peu plus active. Il y avait un pic qui était à proximité, ça l'a comme réveillé. Mais là, le jour est en train de tomber, puis il n'y a juste plus assez de lumière pour faire des photos et avoir une qualité décente. Donc, puis comme on n'a pas vraiment mangé, on n'a pas arrêté depuis le lever du soleil, ben je pense que c'est temps justement qu'on arrête d'aller casser la croûte. Donc ça a été vraiment, mais vraiment, une journée complètement extraordinaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours apprécié. Allez voir mon site web pour voir mes différents liens vers mes tirages, ma boutique, mon Patreon, vers mes partenaires également, leurs photos et FLM Tripods que je tiens à remercier pour votre support. Merci beaucoup à mes membres Patreon aussi qui me permettent de continuer à vous alimenter sur ma chaîne YouTube et sur mes différentes plateformes de médias sociaux. Je fais pas de revenus avec mes vidéos YouTube, donc ça m'aide grandement. Merci à tous. Et nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!